beaucoup. Je suis allé voir Philippe Poussel, apparemment ça a l'air bien lancé. Très intéressant parce que son découpage en fait n'est pas aussi profond que le pissenlit couvert. Et puis en plus, au lieu d'être d'un vert terne, il est d'un vert brillant. Et là je suis un petit peu étonné qu'il n'y ait pas les escargots qui nous avaient été promis. J'en avais plein là. Là, là et là. Ça naît de façon particulière en fait, ça naît à l'automne. Et donc c'est une concentration de feuilles, une sorte de tourbillon. C'est un lien de toute façon très naturel entre le vent et le végétal. Et c'est quelque chose qui se forme et puis qui a une durée de vie, je ne sais pas, qui peut être peut-être éphémère des fois et qui peut être parfois longue. Ah bah oui. Et tout se passe bien maintenant à Tunis là ? C'est tranquille ? Toi bien en face du miroir, Benoît. Tu te reconnais, c'est bien toi ? Ouais, je crois. Dis-toi que ne suis-je une bougie dans l'océan ? Quand tu règles la facture d'eau, pense aux autres. Pense aux autres. N'oublie pas le peuple des tentes. Salut, jeune homme. Allez, profitez-en parce que demain il fait beau. Ça rebondit quoi. On a entendu apéro, donc petit train, remontée, apéro. C'est le week-end, enfin tout va bien. Mais c'est quand même assez sympa ici. Ouais. Hein, ah, y a des spécialistes. C'est un nouveau métier. C'est à l'appellation Muscade Frontignan. Il fait pas beau, hein. Mais vous allez voir. Dans 5 minutes, dès qu'est fini la conférence, vous allez voir. Le monde. Tu peux nous dire ? Il a 50 fois plus de récepteurs olfactifs sur sa mucose. Là, c'est très apprivoisé. Déjà. D'habitude, on ne vient pas jouer, on ne vient jamais jouer au mois de novembre. On va plutôt jouer au mois d'avril, quand il fait bon. Notre instinct existera moins.